Bonjour et bienvenue, nous sommes repartis dans Crow Country, le mode difficile est enfin sorti et c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc il paraît qu'il est assez difficile, donc on va voir un peu ça. Je l'ai déjà fait une fois le jeu, donc je vous mettrai dans la description bien sûr le lien vers la vidéo tout simplement. Donc c'était une découverte, une pure découverte avec une découverte de l'histoire, des mécaniques et tout ça. Donc si vous êtes plutôt intéressé par ça, regardez la première vidéo du coup. Et là par contre on va faire le mode difficile, donc je vais zapper bien sûr quasiment toutes les conversations parce qu'on a déjà tout lu et on va essayer d'aller assez vite hein, tout simplement. Mais surtout de survivre aussi. Donc, je sais pas exactement si on peut repartir depuis... Est-ce qu'on a vraiment besoin de repartir depuis notre dernière sauvegarde? Je pense pas, on peut faire une nouvelle partie. Ah, voilà. Donc, horreur, survie, exploration, et maintenant on a meurtre des corbeaux. Mode difficile, les ressources sont limitées et les ennemis sont agressifs. Donc, c'est vrai que les ennemis, en fait, étaient assez... passif, surtout en début de partie, on va dire. Et par contre, il y avait quand même énormément de ressources et qu'on arrêtait en fait un peu de les prendre au bout d'un moment. Donc ouais. Donc maintenant, on va voir un peu ce que ça nous donne. C'est parti. Oui. Et normalement aussi, on devrait avoir maintenant des sortes de corbeaux de cristal, je crois, à détruire en fait. Vu qu'on l'a déjà fini une fois le jeu, pour récupérer des bonus. Ah tiens, en parlant de bonus, je pense qu'on devrait avoir des armes, une arme spéciale. On va voir ça, on va passer bien sûr toutes les cinématiques. Faut que je me rappelle comment on joue par contre, parce que comme d'habitude j'ai déjà tout oublié moi. Ça va faire 2 semaines je crois que j'ai fait ma première découverte. Yeah, on est reparti. Alors attendez que je me remette dans le bain. Donc ça, 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 là, ok, ici, ça marche. Alors normalement, ok. Non, ok, des balles, très bien. Ah, peut-être qu'on va devoir faire des allers-retours ici, par contre. Comme de maintenant, j'ai déjà pris les munitions. Ah, il n'y en a plus de munitions, ok, ça marche. Par contre, objet bonus. Alors, moi, je veux bien activer ça, en fait, je pense pas qu'on perde quoi que ce soit. En activant ces bonus là. Donc ça nous donne en fait une attaque de corps à corps. Parce que normalement dans le jeu on n'a pas vraiment d'attaque de... Non on n'a pas d'attaque de corps à corps tout simple. Donc maintenant voilà on a un croc... Un pied de biche en fait. Ouais. On a un pied de biche. Donc ça nous permet de tout simplement en fait... ne pas avoir à tirer sur tout ce qui est boîte, bouteille et tout ça. Et on peut aussi je crois bien... On peut utiliser ça ou pas? On peut rouiller un peu de force. Non, ok. Tu veux tout simplement tirer dessus, ça marche. Mon dieu. Recharger. Ok. Je sais plus du tout jouer. C'est énorme. Je plus du tout. La lampe. Alors la lampe c'est quoi? Ok. Ah oui, belle. Quoi? Et rempli d'ordures, je ne suis pas assez désespéré pour mettre la main là-dedans. T'es sérieux? Oh, maintenant ils te disent ça, parce que normalement elle fouille toujours. Donc maintenant elle fouille plus du tout. Genre plus du tout, du tout. Ah ouais. D'accord. Ah c'est... Ok. Bon bah déjà ça va enlever énormément en fait de ressources. Parce que honnêtement les ressources, la principale zone de ressources était là. Hein. Ah, les poubelles, quoi. Ok, on a le laser, très bien. Ah oui, il y avait ça aussi. Je ne peux pas l'atteindre, tas de vieux os. C'était bloqué. Il y a plein de choses aussi que j'ai pas, on va dire, trouvées. Quand j'ai fait ma première fois. Donc, on va essayer de faire les choses que j'ai loupées. Je sais qu'il y a le lance-flamme que j'ai jamais récupéré et je sais où il est, en fait. Je sais ce qu'il faut faire pour le récupérer. Oh, munitions. Très bien. Là, c'est quoi? Bronze, ok. Très bien. Ouais, voilà, ceux-là, là. Nickel. 1 sur 42. Ça m'étonnerait qu'on puisse tous les trouver parce que je suis pas assez bon. Ah, maintenant il n'y a plus de dead. Elle a été détruite, dommage. Ah, ok. Cross trousse de soin, ça marche.
Très bien. Donc on est d'accord que... Ouais, non, ça sert vraiment plus à rien. Rien. Attends. Okay, très bien. Donc là, du coup, ça aussi, ça ne marche plus du tout. Intéressant. Là, il faut quoi? Quelle clé? Argent. Okay. Donc ça, ça marche même plus du tout, les machines. Eh ben, j'avoue que, ouais, on va devoir faire attention. Ok, très bien. Ça économise des balles quand même, hein, d'avoir ça. Après, je me demande si on peut l'utiliser pour combattre. J'imagine que oui. Ok, très bien. Je me rappelle plus exactement par où il faut commencer. Donc on va se balader, mais on va aller vite. Ah oui, ça, il faut le rubis, ça, je me rappelle. Je me rappelle, ça, il faut le rubis. Très très bien. Après on a... Là il faut une clé de bronze, ça marche. Attention au piège. Okay. Ah oui, là il faut un code. Je crois que j'ai encore des codes que j'avais mis de côté, je sais pas. Vraiment, lesquels c'est? 3, 1, 8, 4 peut-être? C'est ça. Ok. Ah oui, la phrase. Oh mon dieu, je sais plus moi. Attendez, je l'ai peut-être encore enregistré. Je regarde mes vieilles images. Alors, faites voir. Si je le retrouve. Entendez-moi. Ô fée formidable de la plus belle de la forêt. Que c'est ça? Bienvenue. Ok, ça marche. Ça, c'est cool. On va peut-être pas y aller maintenant. D'abord, on va faire le reste. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment... Je crois qu'il n'y a pas de deuxième fin, genre de fin multiple. On va le soigner. Ah, très bien. Normalement, on le ramène à la voiture. Mais ouais, je crois pas qu'il y ait plusieurs fins, en fait. C'est plus ou moins les mêmes. Après, s'il y a des gens qu'on sauve pas, en fait, ça change pas grand-chose, en fait. C'est juste... C'est juste que, bah là, il manque des gens, quoi. Et basta. Ok, est-ce qu'on peut détruire ça? L'autre côté, très bien. Ah, il y avait un soin, je le prendrai après. Ça, c'est pas vraiment des endroits où on revient. Donc on fouille vraiment vite fait s'il y a quelque chose ou pas. Ok, très bien. Il y a peut-être des corbeaux en cristal. Ah, là. Faut que je fasse un peu plus attention. Mais bon, je vais être franc, hein, j'ai bien peur que je n'arrive pas à tous les trouver. Hein, parce qu'ils sont quand même bien planqués, les trucs. Ok, très bien. On va aller là. Wow. Ah ouais, vous êtes... c'est pas des conneries en fait quand vous êtes agressif. Je regarde s'il n'y a pas des objets à récupérer. Ah oui, non, c'est différent. Oui, oui, non, là, ils te voient à peine. Directement, ils comprennent que t'es là, quoi. Et ils te foncent dessus.
Un clavier. Oh, j'en sais rien, quoi, ce que c'est. Les grenades. Je sais pas du tout ce que c'est le code. Est-ce que j'ai d'autres codes? Ça m'étonnerait. Non, je sais pas. 3184, mais ça c'était l'autre. Ouais, non, je sais pas, c'est pas grave. 39. Ah, tiens, il nous en faut. Du coup, si on les trouve tous, on peut avoir une récompense, j'imagine. Carte. Ça, on s'en fout. Très bien. Message personnel. Est-ce qu'il y a un corbeau qui traîne? J'essaye de regarder un peu à droite à gauche. Non. On s'en va. J'aime bien, il y a plein de détails, genre il y a des pépites d'or et tout ça. Ah, mon dieu, la... Ah. Oh. Je vois un peu. Non, on est déjà en OK. Des créatures partout. Tout est agressif. Donc là, je crois que c'est ici. Ok. Donc il faut que ça soit... Je dois évacuer la ventilation. Je me rappelle plus trop comment... Attendez. Ah ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien. On est bon. Par contre, il faut que je me soigne parce que je suis mourant. Ça. Ok. Ah, ça. La trousse de soin enlève le. Elle contient aussi un antidote. Ah, j'avais pas jamais fait attention à ça. La grosse trousse de soin contient aussi un antidote. Donc, du coup. C'est cool. Et on est au max. Hein, on en a 5 sur 5 des antidotes. Normalement, je crois qu'il y a un laser. Ouais. Laser pour revolver, très bien. Ça sera... On l'ouvrira de l'autre côté. Est-ce que je peux... Non. Très bien. Parfait, on avance. Par contre, je voudrais bien savoir ce que c'est le code là que j'ai pas pu ouvrir. Non. Ah. En bronze, très bien. Ah, quand on connaît, hein, ça va vite. Hein. Je crois qu'au bout de 40 minutes, j'avais trouvé la clé en bronze. C'est du lance-flamme. Sûrement des corbeaux qui traînent là-dedans, non? Là, on met du carburant. Très bien. Ok. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire ici. Parce que je crois que... Ouais, il faut une poignée. Après, là, il faut la chaîne. Et le lance-flamme, maintenant, il marche. Ah ouais. Ça marche. J'ai du mal à me repérer à chaque fois. Donc... Ok.
J'ai un peu du mal à me repérer à chaque fois. Je sais jamais si je monte ou je descends par rapport à la carte. Je sais pas vraiment pourquoi. Alors, ça c'est quoi? Ça... Non, c'est pas ça. Ça c'est la manivelle. Je crois qu'il y a le géant là qui nous poursuit. Le truc géant là, énormissime, qui est à côté, je crois qu'il nous poursuit. Il s'est retourné directement quand je suis arrivé. Alors. Alors, le train, je crois que c'est là qu'on récupère le lance-flamme, si je dis pas de bêtises. Mais il nous faut la carte ici pour l'ordinateur. Mais je crois bien que c'est là. On va sauvegarder. Oh! Très bien. Nickel. Comment on lance des grenades déjà? Oui, c'est X, ok, ça marche. Ok. Très bien, très bien, très bien. Je sais plus quel endroit il nous manque. Là, c'est pour ressortir. On peut aller parler au mec, mais ça sert un peu à rien. Ok. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Je crois que je vais devoir passer à côté de la créature. Parce que là, c'est une clé en argent, je crois. Argent. Serrure en bronze. Oh mon dieu. Ah, ah, ah. On va peut-être devoir le tuer, lui, pour... Ou alors, faut que je fasse extrêmement attention à chaque fois qu'on passe. Très bien. On peut lui parler. Je regarde s'il n'y a pas des corbeaux. Hein. Quand je tourne un peu en rond. On a la carte. Parfait. Ok, ça se passe bien. On va peut-être d'abord faire la crypte. Peu importe, honnêtement. Je sais plus vrai. Ah non, c'est pas la crypte là. Là, il nous faut l'ordinateur aussi, si je me rappelle bien. Ouais. Ça, c'est un... On va se retrouver de l'autre côté. C'est un passage secret, ça. Ah tiens, il y a un corbeau, là. Je sais pas si je peux lui tirer dessus à travers. Non, ça m'étonnerait. Ah, si. Je sais plus si on a besoin de passer par là. On va voir. Il y a peut-être des ressources dans le couloir, en fait. Ok, bon, bah j'ai rien. Ah bah oui. Très bien. Ouais, il y a des choses secrètes comme ça à trouver. Je crois qu'il y en a une quinzaine en tout. Ça peut être des munitions, du soin, peu importe. C'est juste que c'est, on va dire, caché, quoi. Non, merde. Ah, c'est sous la table. Un truc qu'on peut faire, c'est, je crois, passer par là. Ça, c'est la crypte, ça, non? Ouais. Alors,
Je me rappelle plus. Estelle, c'est Est. Merde, du coup, je me suis gouré. Ça, c'est Sud-Ouest. Toi, t'es Nord-Est. Nord-Est. Toi, t'es Sud. Très bien. Ça, c'est un jouet normalement. Ouais. Ok, très bien. Oh, corbeau. Ok, d'accord. Très bien. Ça aussi, c'est pour plus tard, c'est avec l'ordinateur, ça aussi, pour ouvrir la grille. Il y a un siphon. Parfait. Là, on a la salle de sauvegarde et on va pouvoir ouvrir à la femme, là, notre... À notre avocate. Enfin ! On va dire qu'on va faire un plus ou moins tout. Dès qu'on passe à côté des gens, on va leur parler. Les aider s'ils ont besoin d'aide. Puis basta, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, là, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est la... Tombe Sulina, la mort de Sulina. Enfin, je m'en rappelle. La mort de Sulina. Un 8-7-2. Ça va, c'est pas très très loin. Ça, on en a besoin. Très bien. Donc là, il nous manque plus que la chaîne. Alors, ça. Très bien. On est limité aussi en soins, genre parce qu'on a un classement, si on veut avoir S ou des trucs comme ça. Je sais pas exactement les prérequis pour avoir un rang S. Je crois qu'il y a le soin qui est limité, faut pas trop en utiliser, ça doit être limité à 3 peut-être, un truc comme ça. Il y a... il y a quoi d'autre? Je sais pas si le temps est pris en compte. Aussi. Donc, ouais. Ou même les sauvegardes, je sais pas, honnêtement. En fait, je sais pas grand-chose. Ce qui prend en compte pour le S, je sais... Ouais, non, je suis pas au courant de beaucoup. Très bien. Oh. Ah, je suis au max. Ok, ça marche. On va là-bas.
Mais il y a déjà plein de gens qui ont fait des runs et ils montrent même les corbeaux et tout ça. Yaya. Alors, je crois que c'est 5. Très bien. Voilà, très bien. Je crois qu'il n'y a rien dans les vases. Ouais, on va lui parler. Très bien. On a combien de balles? Ouais, ça va. Honnêtement, niveau balles et tout ça, ça se passe bien. Donc ça, je crois que c'est là où on doit aller, c'est dead. Après là, je crois que c'est pour l'amélioration du lance-flamme, mais on l'a pas, du coup ça nous sert à rien. Fade. Fade, je crois que c'est des ressorts, donc on va faire fade. Ouais. On peut pas toutes les ouvrir en même temps en fait. Dead. Ok. Ma première mort c'était ici à lire un livre. C'était assez drôle. C'est cool. Ah mais oui, bah oui, même les casiers, parce que les casiers ils sont là pour donner des ressources. Donc même les casiers, ouais, ils sont fermés maintenant. Le mec il vient juste de se tuer. On a entendu le bruit du le tir. Il y a une cassette. Ah oui, le mec il explique, bah c'est Pike. Des balles. Je crois que dans cette salle, il n'y a rien. Oh, à part ça. Évidemment. C'est quoi ça? Ah, des antidotes. Ah, quoique. Non, j'ai rien dit. Certains s'ouvrent, en fait. J'ai rien dit. Là, il n'y a rien dans la bouteille. Elle, on va l'aider. Merde. Donner ça. Après, on peut récupérer l'antidote qui était par terre. Donc, elle, c'est la fille de la personne qu'on recherche. Il est où le... Il est là. Vide. Après, je me demande si les objets bonus nous empêchent d'avoir genre S. Oh, il y a un corbeau. Je dirais que non. Enfin, je sais pas, le jeu nous prévient pas, donc bon. Si ça nous prévient pas, je dirais que non. Il faudrait que je note tous les codes. Bien. Là, il va nous falloir de l'acide. Ouais, ça va être pour la dernière clé, je crois.
Oh, ces créatures, elles vont être dangereuses du coup. Oh! Oh, je l'ai bien balancé. J'avais un peu peur, je voulais savoir si c'était possible de faire une sorte de lob en fait au-dessus des sièges, ben oui. Ça tue. Parfait. Parce que ces créatures-là, en fait, elles vont super, super vite. Ok, très bien. Il faut remplir d'acide. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'a pas récupéré grand-chose pour avancer dans l'histoire. Ah, si, 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 si. Manivelle. Non, oh mon dieu, je me suis fait... Je vais dans le bon sens ou pas? Je crois. Oh! Oh mon dieu. Ne me touche pas. Je me suis fait toucher quand le... J'ai couru à côté du truc. Ah, c'est bon. Oui, parce que là, il y a le grillage, il faut le monter avec la manivelle. Très bien. L'autre côté. Ok. La forêt. Vu que il y avait le policier là, la créature a disparu pour le moment, donc ça va. J'ai un peu peur que ça nous tue de passer. Ah ouais, d'accord. Ça nous tapera toujours en fait. Je crois. Parce que la première fois j'ai cru que je pensais que j'étais un peu trop proche en fait des côtés, mais en fait non. Il y a tellement de choses à regarder. Pour trouver les corbeaux, ça va être marrant, tu vois. Joli. Après, techniquement, je crois qu'on a... je suis en train d'essayer de me rappeler s'il y a des endroits où qu'on voit qu'une seule fois. Et genre, on peut pas y retourner, mais je crois pas. Hein, pas dans le jeu. À part une fois qu'on est à la fin, quoi. Là, oui. Mais sinon, si on loupe des corbeaux, c'est pas très grave, en fait. On peut toujours les retrouver plus tard. Alors ça, c'est les... Je crois m'en rappeler. Il y avait un écrit, mais je crois que je l'ai toujours. Requin, requin... C'est requin 4 fois, une fois dauphin. Yes. On a le fusil. Après, je crois qu'il y a autre chose à faire avec ça, mais je me rappelle plus trop. Comment on change d'arme? Et comme ça. Ça marche. On n'a pas le laser pour le fusil. Je l'ai peut-être loupé ou après où il vient peut-être plus tard. Munitions au max pour le pistolet. Oh mon dieu. Ah
Ah oui, non, c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. Très agressif, les machins. J'avoue que découvrir le jeu comme ça, ça peut être intéressant. Mais oui, du coup, ça va être difficile, quoi. Ça, c'est argent. Ouais, c'est argent. Ça va être extrêmement difficile. À la limite, je déconseillerais peut-être, parce que les gens vont peut-être passer un mauvais quart d'heure. Pardon, il faut lui éteindre la lumière. Ah, dans un sens, le jeu, il est ou très facile ou assez difficile, en fait. Je sais pas. Je dirais en normal en premier, puis après en difficile. Alors, il y a lui. On va devoir le combattre. Là, il y a la carpe. Très bien. Là-bas, il y a le restaurant. Nous, on doit faire quoi d'abord en premier? C'est l'arcade, c'est d'où on vient. Lounge, peut-être. Ça, c'est quoi? Ok, pas de serrure. Il y a la créature qui va sortir de la boîte après. Ah oui, attendez. Yes. Il y a des trucs là ou pas? Non. Très bien. Du coup, on est de retour ici. J'ai bien envie d'aller vérifier ce que c'est le code pour ça, là. C'est la carte. Ah oui, en plus, c'est la carte. Ah, mais ça doit être un code dans un écrit qui est pas loin, en fait. Mais bon, j'ai pas envie de réécrire tout ça. Ah, je viens juste de le voir. Je peux aller vérifier 2 secondes, à la limite. Je peux aller vérifier. Alors, c'est 8, 8, 9, 1. Tada! J'ai eu un succès, toutes les cartes du jeu. Ouais, j'avais pas le côté gauche en fait. J'avais pas ça. Ok. Du coup. Attends, là ça nous mène où? Ok, maintenant on peut passer par là, ça marche. Donc on va retourner dans la première salle. Je crois que la bestiole va nous attaquer maintenant, je suis plus trop sûr. Ouais, elle est là, on a vu la tête. Ok, très bien. Parfait. Non, arcane, non. Je sais pas si ça fait quelque chose, en fait, de le tuer, non? Je sais pas. Je crois que c'est optionnel, en fait. Si on n'ouvre pas la cage, il doit sûrement pas attaquer, en fait. Honnêtement, je réponds parce que le bruit du téléphone, ça m'embête. Alors, ça, je crois que c'est le code par défaut. C'est genre 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. C'est un raccourci. Ici, il nous faut le trident. Ah, je sais pas ce que c'est, ça. Je vais aller vérifier s'ils nous disent pas exactement ce que c'est. Je reviens. Ok, donc il y a vraiment un truc à faire. Donc, c'est grape. C'est quoi, grape? C'est raisin. Lime, c'est le citron. Et après, on a ananas et strawberry. Ah, cool.
Le verre est plein, mais je n'ai pas envie de le boire. On fait tout ça pour rien. Ah ! Oh, mince. Pardon. Alors, on recommence. C'était quoi ? Alors, mais ça concerne les cartes de trésors supplémentaires dans le bureau en bois de son salon 8891. Ah, bah du coup, c'est pour ça, ça explique pourquoi j'ai jamais vu le code, en fait. Oh, il y a un corbeau ici. Ceci explique cela. C'est pour ça que j'ai jamais eu le code, s'il était là. D'accord. Du coup, maintenant, on a quoi à faire? Grande porte en métal. Serrure en or. Carte. J'ai un doute sur ce qui me manque. J'ai un petit doute sur ce qui me manque. Là, c'est encore en argent. C'est hors service. Restaurant, on l'a fait. Lounge, je l'ai fait. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Parce que j'ai pas grand chose en fait dans l'inventaire. Je sais que j'ai la manivelle, mais la manivelle on l'utilise deux fois, je crois. Donc il me manque quelque chose à visiter encore. Où est-ce qu'on doit aller? On a le théâtre, site de fouille. Le bateau signe, il me faut le rubis. Le palais Neptune. Salle d'arcade, il faut la clé. Palais Neptune, il me faut le trident. Après, on a le donjon, le manoir hanté. Ah, les horloges, je crois. Oh mon dieu. Ça, c'est un truc, par contre, que j'apprécie, c'est qu'elle tire extrêmement, extrêmement vite. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est le, un truc super bien. Parce que dans tous les survival horror, honnêtement, le gros problème, c'est la vitesse de tir. Et elle est toujours extrêmement basse et limitée. Attends, il faut qu'on passe par où, non? On peut passer par le théâtre, à la limite. Parce que j'ai fait le tour de toute façon. C'est le seul problème dans les survival horror. Ouais, mais je suis pas du tout où je dois être. D'accord, en fait, j'étais pas là. Ça marche. Encore une fois, j'avais inversé la carte dans ma tête, c'est bien. Mais ouais, vitesse de tir. Là, on peut tirer aussi vite qu'on peut appuyer sur la touche. C'est top. C'est top. Honnêtement, c'est juste top. Non, me touche pas, t'es moche. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il y en a partout. Alors, normalement c'est 10, 20 et 11, 15, ok. Que j'ai fait. Réglé. Ah oui, il faut tourner comme ça, ok. 10, 20 et 11, 15. Très bien. Ça me revient petit à petit. Ah, j'ai pas envie de ressortir par là, moi. On va se faire toucher, on va se faire bouffer. On s'est pas fait toucher, je sais pas comment. Okay. Ah, c'est difficile. Là. Il nous faudrait les chaussons là pour courir plus vite. Ouais, j'ai été. Attendez, je suis allé trop loin, c'est ça?
Je crois que je me suis loupé. Ouais, bateau des signes, c'était juste à gauche. Attends, c'est pas là. Non, si, c'est là. C'est bon. Bien. Il y a un corbeau. Ah, oh. Oh mon Dieu, comment on fait ? Comment t'es censé faire celui-là? Ah! Ok. Je pense qu'il y a peut-être potentiellement un corbeau dans chaque salle, en fait. Je dirais. Ouais, je dirais potentiellement un corbeau dans chaque salle. Alors, maintenant, site de fouille. Oh mon Dieu. Ok, très bien. Ça, je sais plus ce que c'est, ça. Demande vie intérieure. En fait, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, je vois pas en fait. Il y avait peut-être une créature et on vient de la tuer peut-être. J'aurais dû le lever peut-être sans le faire. Voir ce qu'il y a. Très bien. On a le masque tragique. Est-ce qu'il n'y a pas un corbeau ici? Est-ce qu'on a déjà détruit un corbeau ici? Après, un truc que je peux faire avant d'arriver à la fin du jeu, c'est genre faire le tour pour récupérer tous les corbeaux à la limite. Je pourrais peut-être le faire. C'est juste que ça va me prendre du temps. Alors, on a le masque. Du coup, il faut retourner dans le donjon. Enfin, la porte qui est verrouillée, donc c'est à gauche. Ah non, t'es sans déconner. Fais voir ma vie un peu. Attention. Ah, je peux plus courir quand on est en attention. Ouais, c'est un peu dangereux par contre. Ouais, dès qu'on arrive à attention, ça y est, on peut plus courir. Donc ça, c'est un peu... C'est vachement dangereux. Mon Dieu, t'es sérieux. C'est vachement dangereux comparé au normal. Alors, on va faire ça. C'est pas... Ouais. C'est pas exactement le truc que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors... Je sais plus dans quel sens. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une étoile. Ah, un pentagramme. Très bien.
un peu nos balles. Et ouais, c'est léger. Hein. On va devoir faire un tout petit peu attention. Ah oui, du coup, faut retaper. Les munitions. Parce qu'on est un peu limité quand même en munitions. Après, je crois qu'on a... On est au max de grenades. C'est bien. Oh la vache, j'ai été touché ou pas? Je crois pas, je crois pas. Oh mon dieu. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a des pièges partout. Oh là là. Alors attends. Maintenant on a le trident, donc il faut retourner. Salle de. Palais de Neptune. Non. Si? Non. Si, c'est ça. Sous-marin. Oui, le palais de Neptune, c'est où c'est qu'on mange. Oui, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, faut passer par là. Voilà, faut faire gaffe. Maintenant, il y a des pièges un peu partout. Le pire, c'est le poison. Pas le temps. C'est bien pour gaspiller des balles. Ça. Poison. Après, on peut leur tirer dessus. Hein, sur les têtes de corbeaux, là. Attends, on va devoir se faire bien ici. Putain, j'avais pas vu, quel con. Ah mon dieu. Il y a le point vert là sur le sol, c'est une bombe, je crois bien. Très bien. Là en argent. Là il y a des balles. Ah, c'est du gaz. C'est quoi ça? Ouais, c'est bien. Okay. C'est une boîte de munitions, mais elle était posée en hauteur. Enfin, c'était marrant, ça. Ok, maintenant, on a argent. Va falloir qu'on esquive... esquive bien, hein. Ah, attends, on a argent. Du coup, on peut allumer la lumière ici, à l'arcade. Non, mon dieu!
Je savais même pas que ça faisait mal ces trucs là. Ça c'est nouveau par contre. Ces pics là, totalement nouveau, ça y est pas dans le jeu normal. Launch? Non, c'est arcade. Non. Ah, je peux aller sauvegarder. Ah, c'est chaud. Ah ouais, non, faut faire attention. Hein. Puis là, on est à commencer à être un peu à court de munitions et tout ça. Il me faudrait la carte des ordinateurs. Comme ça, on peut récupérer le lance-flamme. En plus, je l'ai jamais utilisé, donc je voudrais bien un peu voir comment ça marche. Très bien. Regarde s'il n'y a pas de munitions. Ok. Alors, normalement, c'est... C'est dans quel ordre? Attendez, je crois que je l'avais... Je l'avais enregistré. Alors, c'est dauphin, sirène, bateau... Okay. Alors, en premier, c'est dauphin. Ok, dauphin 1, après c'est... Ah non, d'abord c'est sirène, pardon. C'est sirène, faut que ça soit 1. Quoi? Quel est le film le plus rentable de tous les temps? Star Wars? Non. Quel est le bâtiment le plus haut du monde? Waouh, World Trade Center. Big Ben, pour effet. Je crois que c'est World Trade Center, mais bon, hein? Ah, c'est, ça y est plus, quoi! Putain, je suis nul. Quel phénomène a provoqué l'extinction des dinosaures? Option. Yay. 1. Là, on doit faire 2. Très bien. C'est bateau. Bateau, c'est là. Donc faut que ça soit 4 bateaux. Après, j'aime bien parce que vous avez vu que les... comment ça s'appelle? Les machines à arcade, en fait, elles vont vite. Certaines vont vite, en fait, c'est parce que c'est un peu les dernières à faire, donc il faut des scores un peu hauts. Maintenant, c'est le requin, et ça doit être le double du bateau, donc 8. 8 pour le requin. Faut imaginer qu'il faut, genre, répondre à plein de questions les unes après les autres, ce serait horrible. C'est bon. Ok, maintenant. Maintenant. Ça, je crois que c'est une fosse. Ah oui, maintenant il y a les objets aussi, c'est des faux. Ça, je sais plus comment elle s'ouvre. Il n'y a pas de serrure. Mais le panneau est vierge. Ah oui, non, si, elle est là. Elle est là. Hop là. Très bien. Alors ça, je me rappelle plus. Je crois, c'est F-A-C-E, je crois. Yes. Voilà, maintenant tout est en ligne. Ça, c'est Tolman. Ça aussi, c'était pas mal.
Genre, vous voyez les dates, ça permet de regarder les cassettes dans l'ordre, en fait. Genre 1350, après c'est 1912 et tout ça. Et à chaque fois qu'il y avait, il y avait une sorte de petit morceau de film à regarder, il y avait une lettre qui était cachée dedans. Honnêtement, c'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment sympa. Comme mécanique. Horrible, les créatures. Alors, on a fait ça. Maintenant, on va faire... le... je peux descendre maintenant. Oh mon dieu, tu peux passer. Évidemment que tu peux passer. Oh mon dieu, ça va être difficile en bas. Ouais, bon, on reviendra. J'ai merdé. J'ai complètement merdé. N'importe quoi, n'importe quoi. Oh mon dieu. Ok. Je me rappelais plus de lui. Okay, très bien. Est-ce qu'il y a un corbeau ? Géorgie 2663. Il y a plein d'or partout. Merde. Très bien. Du coup, on est bon. Il n'y a pas de corbeau. C'est un corbeau, ça? Non, c'est pas un corbeau, c'est un vase. Ok. Mon dieu, mais là... ah! Ah, la portée! Ah, ceux-là, ils sont horribles. Ah ouais, quand ils sont agressifs, ceux-là, ils sont horribles. C'est les pires, je crois. C'est, ils te tapent quasiment instantanément. Tu peux pas, genre, courir à côté. Plus de grenades. Oh, j'ai déjà plus de grenades, t'es sérieux? Déjà, il y a ça là. Carte, nickel. Ah oui, ça c'est une miniature par rapport au portail en fait qu'il y a dessous le parc d'attractions. Avec les différentes racines qui sortent et tout ça. Non putain, c'était... Ah. Ah. Oh mon dieu. C'est quoi ce jeu? Ah la vache. Ah. Ah oui, ça c'est ce qui alimente la porte là. Aïe, 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 c'est difficile. On peut aller récupérer le lance-flamme.
Ah oui, mais là, leur conversation est super longue. On n'a pas vraiment besoin de leur parler, c'est pas grave. Oh, ça va bien se passer avec lui. Aïe, ça s'est super bien passé. Ok, ça c'est pour réalimenter la batterie. Je crois qu'on a fait le tour, je suis pas sûr, faut que je vérifie la carte. Comme ça, on aura toutes les salles, en fait, sur la carte. Ça, je crois que c'est un piège, là, devant. On va pas le toucher. Il y a des... poisons. Ok, la salle de sauvegarde. Yay. Très bien. Ça, je crois que c'est... Putain. Ouh là là. Je crois que c'est un explosif, ça. Ah non. Le truc, quand il a explosé, là, le truc à épines, il a explosé. Faudra faire attention à ça. Il y avait un bidule électrique, là. Ah. Un ordinateur, c'est bien. La pression de gaz. Je me rappelle plus du tout. Est-ce que la pression de gaz? Je me rappelle plus. Je reviens. Alors, normalement, c'est 9, 10, 11 et 20, je crois. Ça. C'est ça. C'est bon. Ok, cool. Alors. Est-ce qu'on a tout fait, du coup? Machine électrique. Ah, j'ai encore une petite salle en haut. Okay. Après, il y a les tubes sur les côtés. Je sais pas si vraiment on en a besoin de mettre des codes dedans. Ah, ça c'est l'acide. Mais il nous faut le récipient en fait pour l'acide. Ouais, il nous faut le récipient pour l'acide. Quoi, il y avait un gros là. Pas grave, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien vite fait, hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? On a donc l'argent et le security access. Ça marche. Donc. Nous, on vient de l'ascenseur. Donc, on va aller à gauche. Oh mon Dieu. Maintenant il pleut, maintenant il y a des pics partout, c'est abusé. Alors le théâtre on peut pas le faire, la musique a changé aussi. Donc on va descendre, faut faire le donjon. Oh putain, t'es sérieux.
Attends, on va faire ça. Oh mon dieu! Je voulais rentrer dans la maison pour réinitialiser les ennemis, j'ai pas pu. Ah ouais, non, mais c'est pas... Ah, ça s'appelle hard mode pour une raison, hein. Ouais, non, ça s'appelle hard mode pour une raison. Hein. C'est pas nul. Hein. Ok, très bien. Il y a combien de grenades? Deux. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de corps. Ah, oh, mais t'es. Je fais pas attention. On est officiellement dans la merde. Ouais, je disais que ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de corbeau. Ah, champignon. Alors, ton souhait était accordé. Ok, maintenant on a plus de balles dans le... Enfin, de plus de cartouches. Dans le fusil à pompe, très bien. Alors ça, c'était quoi? Oups, excusez-moi. Ça, c'est... 1975. Très bien. Et on a le revolver. Ça, c'est optionnel. On n'a vraiment pas besoin du truc. Ok, très bien. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, on peut ressortir. Ah, on peut aller récupérer les chaussures. À la limite, tant qu'on y est. Oh là là. Même l'ambiance a changé. Oh là là. Ils ont un élan, les trucs, quoi. Alors, déjà, est-ce que je peux prendre des balles? Non, déjà, le coffre est vide, en fait. Hop. Voilà. Nyaum. Ah, maintenant on court un peu plus vite. C'est vraiment top. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais super étonné. Oh, t'es sérieux, le machin, il est juste devant moi. Je vais essayer de tracer avant qu'il s'active. Ok, ça a marché. Vous avez vu, les objets par terre, ça a changé. Maintenant, c'était des balles de magnum, je crois. Donc c'est un piège. Alors, on a le donjon. On peut faire le donjon directement. Ah non! Attendez, parce que vu si on va dans le manoir hanté aussi, on devrait faire la salle des trains d'abord. Pour faire le puzzle du train. D'abord, on va sauvegarder. Alors, comment ça marche? Est-ce qu'il y a un truc à faire? Je reviens, je sais pas ce que c'est le code. Alors, normalement c'est BDAC. En fait, c'est les différentes parties du train.
Et avec les écrits, on a la solution. Ah ah ! Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas eu. Le lance-flamme. Il a supposément une utilité industrielle, mais je ne vois pas laquelle. Yeah, pas mal. Ça marche. Très bien. Et apparemment avec ça aussi, parce que si vous vous rappelez... Mais je crois qu'on va y retourner de toute façon. Si vous vous rappelez, il y a un endroit, c'est dans... Le... Je crois que c'est où? Couloir personnel pour le pack. Non, c'est là, le royaume de l'océan. Il y a une porte. Ils disent qu'elle est abîmée, qu'elle est en bois et qu'elle peut brûler dans un écrit. Et ben, il faut la brûler. Donc... Oh mon dieu, la portée! Donc du coup, on pourra faire ça avec le lance-flamme. Mais c'est pas bon signe. C'est pas très bon signe là, la vie, non? On est d'accord? Attendez, je me suis perdu. On peut détruire des trucs là avec ça parce que. Ok. On va passer par là. Mais bah, de toute façon, c'est là qu'il faut aller. Oh mon dieu. Ok, super. Merde. Mauvaise arme. Ouais, quand t'as 4 armes, par contre, ruisseler entre les armes, c'est un peu la galère. Alors, c'est une sirène. Alors, sirène, deux bras, une tête, deux yeux. Petite. Je vais tirer sur ça parce que... Je sens que je vais me le prendre, en fait. Serpent... Serpent, c'est rouge jambes, pas de bras, tête de vieux. Cyclope. Elle patine un peu quand même. Je veux pas dire, mais elle patine. Quand elle doit tourner, oui, elle patine. Ça, c'est quoi? Un loup. Un loup, c'est ça. Non. Ouf. Parfait. Ok. Très bien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut aller manoir hanté. Par où je vais passer, moi? On peut passer par là. Oh oh. Ah non, c'est bon. Mais ça fait des dégâts ou pas? Non, je crois pas. Saloperie, là. Est-ce qu'on peut aller au bureau de groupe?
serrure en or. Nous, on n'a pas encore la clé en or. Non. C'est quoi ça? C'est un piège ou pas? Non, c'est pas. Manoir hanté, c'est par là. Ok. Chaud. Normalement, c'est celui-là, c'est Cage. Je vais me faire attaquer. Très bien. La portée du lance-flamme. Portée augmentée. Très bien. Je crois qu'il me manque un laser. J'ai pas le laser du fusil à pompe. Bon, c'est pas très grave. Mais... on va peut-être passer de l'autre côté, en fait. Je pense que c'est moins risqué. Ok. Maintenant. Alors le théâtre, on ne peut pas le faire encore. Il nous faut l'acide. Il faut que j'aille récupérer l'acide. Et là, on a plein de portes aussi à ouvrir. Ah oui, il faut le garage de livraison. Là, il faut passer par le sous-sol. Merde. On peut descendre, aller récupérer l'acide et après remonter par le sud. C'est quoi ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Les secrets? Attends, mais il te montre où sont les objets? C'est un piège, ça, ou pas? Non. Attends, quoi? Normalement, il y en a un après, à côté. Alors, ça serait le... Attends. Ouais, donc il était là. Ouais, mais c'est parce que je l'ai trouvé, je pense qu'ils le mettent sur la carte. Après, il y a des croix, là. Il y a deux croix. Genre, site de fou, il y a une croix. Après, l'endroit, il y a une croix aussi. Je sais pas, du coup, si c'est... Ils nous mettent pas les choses qu'on n'a pas, en fait. Faudra qu'on vérifie ça. S'ils nous mettent vraiment les secrets, en fait, ça, c'est vachement bien. Après, vu qu'on a fait le jeu une fois... Parce que normalement, dans le jeu normal, ils le font pas. La première fois, ils le montrent pas, ça. Bon, par contre, ici, ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle. Donc, nous, on est là. Donc, les racines. Donc, le réservoir d'acide. Machine électrique, c'est pour plus tard. Donc, il faut le réservoir. Donc, il faut aller vers la droite. Parce qu'en plus, les créatures réapparaissent hein, la plupart du temps. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est pas la première, mais c'est celle d'après. Ouf.
Là, on est quasiment à la fin. Faut que je fasse attention, par contre, hein, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas vraiment beaucoup de vie. Hein. On a vraiment très très peu de vie, donc ça, ça peut être très très dangereux. Du coup, là, il montre rien. Ouais, non, il montre rien. Donc, on a l'acide. Donc, maintenant, on peut descendre au sud-ouest et remonter par l'ascenseur. Est-ce que c'est... Ah, j'ai envie de tirer dessus. Ok, c'est des balles. C'est avec les pièges partout, en fait, ça devient compliqué. Hein. Ah, là, on va avoir une grosse créature. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je sais pas si on peut la tuer, en fait. Oh, attendez, là, il y a un soin. Très bien. Donc, elle, elle a été attaquée. Alors, fais voir un peu la carte. Non, ça me l'indique pas. Maintenant, ça me l'indique. Alors, c'est quoi les croix? Les croix, ça doit être en fait les secrets que j'ai trouvés. Alors, pourquoi c'est que certains, ils sont cochés? Ça veut dire quoi, cochés? Ouais, faudra aller voir. Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi ça déjà? Oh putain! Ça avait pas la même couleur, en plus j'étais bête. Je me suis dit pourquoi ça a pas la même couleur que. Genre c'est pas vert, c'était un peu bleuté. Il n'y a rien à faire ici. Bon, va falloir pas crever là parce que ça va être chaud. Alors, je crois que... C'est le grand mort. Non, je l'ai pas encore. Mon dieu. J'aurais pu complètement l'éviter en fait. Tout plein de balles perdues pour rien. Alors attendez. Donc la porte là-bas, on peut la brûler. Je suis pas exactement où je voulais aller, hein, mais c'est pas grave. Oh mon dieu, il a évité le truc. Alors, je crois que ça, on peut utiliser le lance-flamme. Très bien. Donc ça, je l'ai jamais fait. Ça. On va voir ce que c'est. Oh mon dieu, évidemment qu'il y a un truc. Je suis devant le manoir entier. C'est horrible ce bruit. En tout cas, il y a plein de réserves. Me touche pas. Me touche. Putain! C'est horrible. Ah, il y a un champignon. Tu veux améliorer ton revolver? Ah ouais. Ouh, plaqué or.
Il est plaqué or maintenant. Donc il fait encore plus de dégâts, j'imagine. Tu m'as pas touché, j'espère. Alors, l'aiguille n'arrête pas de bouger. Il y a une pieuvre en métal sur le plateau. Le clavier, qu'est-ce que c'est que ça? Un 8, 2, 5. Ah, c'est juste des balles. Je crois qu'on a tout eu. Par contre, il n'y a pas de corbeau, rien. Ah, grenade. Si. Alors, attendez, on va recharger tout ça. Tu veux voir le plaqué or? Ah ouais, ça c'est cool. Très bien. Alors. Salle des machines, c'est fait. Ouais, après, en fait, il nous faut la clé en or. Ça marche. Qu'est-ce que j'ai... Maintenant, on a l'acide, donc on va au théâtre et on va récupérer la clé en or. Attendez, je crois avoir vu un corbeau. Je suis pas sûr. Donc, faut qu'on monte. Ah, les corbeaux, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de... Oh mon dieu. T'es sérieux? Est-ce que ça vaut le coup de... Genre de prendre un petit moment et d'essayer de tout récupérer? Je sais pas, honnêtement. Oh, oh mon dieu. Allez, slalom. Alors, l'acide. Est-ce que toi, tu vas arriver sur moi ou pas? Faut remonter. Ouais, faut remonter. Tada! On a la clé en or. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bingo. Ça, c'est une bombe. Oh putain de merde, t'es sérieux quoi. Waouh, comment je joue mal, c'est bien. Je pensais qu'à un moment il tombait, mais en fait non, il tombe pas du tout. Hein. Le machin, il reste super dangereux, c'est bien. Alors. Okay. Ça a pas activé l'autre. Mais ouais, peut-être que je vais sauvegarder avant, sur une autre sauvegarde, et peut-être essayer de trouver tous les corbeaux à un moment ou à un autre pour... Honnêtement, c'est dangereux de le faire à la fin. Parce... Ah oui, non, en fait, c'est vachement dangereux de le faire à la fin. Parce qu'il y a des monstres de tous les côtés. Ah, j'avoue que ça, c'est... Ouais, c'est un peu le problème. Ça, j'ai un peu peur de ça, en fait. Je regarde un peu s'il n'y a pas des corbeaux.
Bon, ça va. Niveau soins, ça va maintenant. On est bon. On a combien de corbeaux? On peut les voir là? Non. Alors là, le code. Ah oui, le code normalement il est là, il est au-dessus. C'est quoi le code? C'est 9218. Ah oui, c'est là, c'est cette salle. Alors on va voir si on peut combattre la créature, la tuer. Hop. Alors. Je suis pas sûr. Ah si. C'est un mini-boss facultatif. Venez à bout des 4 mini-boss facultatifs. D'accord. Merde. Bien joué. Super bien joué. Aïe, aïe, aïe. Donc ouais, on peut les tuer. On peut tous les tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Je viens de balancer ma grenade pour rien, quoi. C'est... Oh, corbeau en plus, j'ai pas vu. 23 sur 42. Ouais, ça se... Ouais, ça se tente, hein, honnêtement. Il y en a un là aussi. Ça peut se tenter de faire le tour du... de la zone. C'est juste que c'est méga dangereux. Je sais même pas si j'ai assez de munitions, en fait, pour faire tout ça. On va arrêter de lui parler, parce que c'est pas intéressant. Alors, maintenant... Ben, il nous reste plus grand-chose. Il nous reste plus grand-chose. Juste à aller à gauche, en fait, et c'est fini, je crois. Enfin, non, si, non, il y a encore la batterie et tout à charger. C'est pas totalement fini. Par contre, oui, je voudrais bien voir les croix, là. Ce que c'est exactement. Alors, moi, je viens du bureau de croix. Ouais, non, mais s'il faut, il y en a un dans toutes les salles, en fait. Alors, bureau de croix. On va passer par le théâtre. Je voudrais du coup descendre et regarder site de fouille et la salle juste au-dessus du site de fouille. Ah oui, j'étais pas allé là. Exact. Exact, exact. Alors, là aussi, il va me falloir du soin, par contre. En fait, on est censé manger tous les champignons. Okay. Je me demande si on devrait pas être full vie, parce que ça fait un peu peur. Plus de... Blessé. Ah, putain, ouais, du coup faut se soigner. Ouais,
Très bien. Lui, je sais plus ce qu'il fait. Puissance de ton pistolet, très bien. On aurait pu l'avoir plus tôt, du coup. Ça m'aurait évité de gaspiller. Enfin, ouais, c'est pas trop du gaspillage. Alors, très bien. Alors, fais voir la carte, ce qu'elle montre. Ok. Ouais, non, en fait, ça, c'est tous les secrets, du coup, les croix. Ouais, ouais, non, c'est juste les secrets à prendre. Donc, c'est bien. Donc je peux, au moins, les secrets, je peux les trouver facilement. Ok, ça, c'est sympa. Y a pas un corbeau qui traîne. Oh. Il y a aussi la trousse de secours qu'on peut améliorer normalement. Je sais pas si je l'ai fait ça. Pas. Je vois pas de corbeau. On va faire celle du bas. La salle d'ici. Alors, ici, du coup, il me manque un truc. Qu'est-ce qu'il me manque, du coup? Ça, c'est une bombe qui est qu'il y a par terre. Ah! Voilà, c'est bon. Très bien, je pense que c'était ça. Yes! Yes, yes, yes. Alors, j'ai bien envie de faire le reste, moi. 3, 4, il est où le cinquième? Ah non, 4, non, c'est bon. Je veux bien faire le reste. Des secrets, au moins. Comme ça, les secrets, c'est fait. Alors, on va aller... à gauche. J'aurais pu aller prendre la batterie. Ouais, mais bon, ça fait faire des allers-retours de toute façon. C'est pas... Alors, du coup... Il y a un secret ici. Je crois connaître le secret. Je crois qu'il faut trouver un objet dans le décor là. Là, il y a un antidote. Je pense là. Oh mon dieu. Ah non, je me suis bloqué. Saloperie. Eh ben, je sais pas. J'avoue ne pas savoir. Non, non, ça va. Ah tiens, oui, je sais le soin. Bah tiens, en fait, c'est parfait que je sois là.
Donc il faut faire humain. C'était où la crypte avec les avec l'ordinateur? Non, c'est pas la crypte. Si, c'est la crypte qu'on veut faire. Ou c'est le bois maudit? Crypte. Non. Non, non, non. Mais j'avais oublié, il faut faire aussi humain sur l'ordinateur. C'est là qu'on récupère la l'amélioration du soin. Là. Alors c'est que pour les petits packs de soins par contre. Alors, un humain. Deux jambes, deux bras, une tête, deux yeux. Est-ce que là aussi il y a... Non, ici. Bon après, si je trouve pas les secrets, bon, c'est pas trop grave. C'est juste que je suis dans la zone, donc c'est un peu bête, quoi. Voilà. Très bien. Fait améliorer. Ok, et après il y a le bois maudit. On peut aller sur le bois maudit à la limite. Je sais pas si la croix... la position de la croix indique vraiment l'endroit où il y a le secret. Je suis pas sûr de ça. En théorie, du coup, ça devrait être là. Alors ça devrait être à côté de la porte, en fait. Je sais pas. Je sais pas, je l'ai fait une dizaine de fois, je crois. C'était complètement au pif. Là, j'avoue, c'était complètement au pif. Bah, on est bon, du coup. Waouh. C'est top. Je crois que je l'ai fait 7-8 fois. Entre 7 et 10 fois. Voilà, entre 7 et 10 fois. Là. Énorme, énorme. Elle est pas mal, celle-là. Après ça, faut qu'on sauvegarde parce que ça fout un peu les boules là. Oh merde. Ok, ça peut être quoi le secret du coup ici? Du coup, ça le dit pas vraiment. Ah, je crois que c'est des munitions à prendre en fait. Et vu que maintenant tout est libre, on devrait pas avoir de problème. Ça doit être ça. Ouais. Ça, je m'en rappelle parce que je les avais trouvés. Ok. Ouais, je les avais trouvés, celle-là. Faut un peu tester le lance-flamme contre des créatures parce que je sais même pas vraiment si c'est efficace ou pas. En plus, on l'a amélioré. On peut sauvegarder, là. Hein, je crois. J'ai pas envie de mourir. Très bien. Oh. Ah, on se débrouille bien, on sent trop vraiment les chercher, hein, je veux pas dire, mais ça va. Ils sont pas extrêmement genre cachés. Faut juste faire un peu attention au décor et ça passe. Je pense que vous pouvez le faire facilement tout seul en fait. C'est juste qu'il faut le faire en début de partie. Oh la vache. Oh mon dieu. 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 Oh mon... Oh là là. N'importe... Ouais, non, mais voilà. Non, là, j'ai... Non, non. Là, j'ai très mal joué, de toute façon. J'étais pas... Ça, c'est complètement ma faute. Je faisais vraiment pas attention du tout, en fait. Mais ouais, c'est pour ça que ça devient très dangereux en fait maintenant, donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Alors.
là, et nous on veut où aller où? Nous on veut aller tout en face au royaume de l'océan. Ouais. Oh là là. Ce qui est intéressant, c'est que... elle peut courir, elle peut continuer son élan de course si elle est blessée. Par contre, dès que vous arrêtez de courir, en fait, elle s'arrête. Elle commence à tituber, en fait. C'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. C'est, honnêtement, c'est pas mal. D'accord. Je trouve d'avoir fait ça, c'est vraiment sympathique. Ah, il y a les toilettes. À la limite, on peut aller aux toilettes après. Alors là, il y a le gaz qu'on a retiré. Est-ce qu'on peut le faire maintenant ou après ça? Ah oui, il nous faut quelqu'un. Il faut qu'on demande de l'aide. Donc c'est après. Très bien. Corbeau, petit corbeau ou pas? Nickel. Ouais, donc maintenant il faut demander de l'aide. Comme ça, ça nous permet de prendre la batterie si je dis pas de bêtises. Et après, on ira aux toilettes pour trouver le dernier secret. Elle est là. Merci. Il faudra charger la batterie et après, je sais plus où. Ah oui, la batterie, c'est pour le corbeau au centre de l'attraction. Non, pas par là, nous c'est là. Mais bon, elle a mis le chapeau et tout, c'est marrant. Et on va se faire stopper. Voilà. Ah, corbeau. Vingt-six, c'est pas mal. Alors... ça, c'est une bombe, ça. Ouais. La couleur était pas bonne. Ok, normalement, elle s'est fait kidnapper, là. Très bien. Enfin, pas très bien pour elle. Très bien pour avancer dans l'histoire. Alors, d'abord, c'est lui. Non, premier. Premier. Il y a plein d'objets à récupérer. Enfin, il y a quelques objets. Ok. Normalement, il y a des objets à récupérer. Plus la batterie. Bon, c'est possible que là, il n'y ait pas grand-chose, en fait, à récupérer. Ok, il y a quand même des balles. Il
Honnêtement, ça se joue bien, ce jeu. Okay, ça, c'est la batterie déchargée. On peut la faire avancer ou pas? Ouais, non, ouais. On peut la faire monter et avancer d'abord. Parce que je fais toujours 1-2, mais en fait, peu importe. Quoi. Voilà, il n'y avait rien. Ok, maintenant, on a la batterie. Donc, ce qu'on va faire, on va aller la charger, mais on va aussi aller aux toilettes pour le dernier secret. Donc... Les toilettes, c'est dans Crow Country. On va peut-être d'abord descendre, du coup, pour charger la batterie. On va juste aller à droite. On va peut-être sauvegarder. Quoique, ça devrait aller. C'est un peu chaud. Je crois que le pire, c'est les bandes à pic, là. J'avoue que... Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, nous, on est à droite, du coup. Tiens, je peux sauvegarder là. Après, j'ai une question, je sais pas si les corbeaux ils restent en mémoire en fait. De ceux qu'on a trouvés déjà. Comme ça, si jamais je refais encore une partie, j'aurais pas vraiment de problème. Il me manquera juste ceux que j'ai pas trouvés, faudra pas tout refaire. Mais bon, après, comme j'ai dit, je vais garder sûrement la sauvegarde de côté. Comme ça, si jamais je veux vraiment me remettre dedans. Alors, toi. Très bien. Oh merde. Ouh. Donc ça fait bien des dégâts aux monstres. Quand ils passent à travers. Ça c'est très bien. J'étais pas trop sûr. Après l'autre il était petit donc il passait en dessous. Très bien. Et ben voilà. On est prêt pour la fin du jeu. Alors là, du coup... ça serait les collines hantées. C'est bien parce que c'est dans un lieu de sauvegarde. Alors, on va passer par où? Okay. Ah, je crois qu'on va se faire tirer dessus aussi. Attends, on est où là? Qu'est-ce qui fait sombre? Ok. Ok, le truc il est retourné. Ah, le mec il a tué les créatures. Ah, peut-être que là c'est un bon moyen de se balader, trouver les corbeaux, mais bon. Ah, il fait un peu noir quoi. Oh merde. Cool. Alors ça... Il y a quelque chose là-dedans mais je ne peux pas l'atteindre. C'est bloqué par un tas de vieux os. Trident ? Non. Ah, un peu d'acide. Je crois que les os fondent.
Ah, des balles de revolver. Ok, 15 sur 15. Trouver les 15 secrets. Donc c'était de l'acide qu'il fallait. Ça marche. C'est cool. Ah, parce que là, on est là à la fin. Donc du coup... Genre la salle principale qui a pas de monstre. Déjà, ça c'est bien. C'est marrant parce que là, il essaie... Ah si, il a essayé de nous tirer dessus. Ouais, très bien. Par contre, est-ce qu'on n'irait pas sauvegarder maintenant? Comme ça, j'ai ma sauvegarde si jamais je veux... Je suis motivé, en fait, pour trouver tous les... Voilà, pour trouver tous les corbeaux. Et il m'en reste... je sais pas, 15, un truc à tout casser. Donc c'est pas énorme. Puis on a accès à toutes les salles, hein. Si je dis pas de bêtises, il n'y a aucun problème pour ça. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas besoin de faire trop attention, en fait, par rapport à la, à l'avancée dans l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, honnêtement, de voir les corbeaux aussi sur la carte, ça vous donne une idée de où pourrait être le reste des corbeaux. Je vais être honnête. Parce que je crois que c'est limité à un seul par salle. Donc c'est pas très très compliqué au final. On a une grenade, non? Ok. Évidemment. Bon, ça s'est bien passé. Je voulais faire le lance-flamme, mais j'étais sur le fusil à pompe. Je me suis dit, tiens, on va continuer au fusil à pompe. Ah, ok. Harrison. Ça, c'est pour ressortir, du coup. Les balles. Ah oui, là, il y a quoi? Il y a des balles et un soin à récupérer. Ah, ça a ricoché. Très bien. Ça ricoche. Ok. La dernière fois, j'avais pris qu'une... seulement les munitions. Là, j'ai pu récupérer le soin aussi, donc c'est cool. Donc c'est Marvin qui a essayé de nous tirer dessus. Tout à l'heure, quand on était proche du corbeau. Tada! Julie. Ce serait bien qu'on puisse rester appuyé sur la touche pour passer les conversations. Genre qu'elles défilent toutes très vite en fait. Ça serait mieux que d'appuyer plusieurs fois. Mais bon, c'est pas trop... On peut aller très très vite, mais c'est pas trop... Voilà quoi.
Ça aurait été une bonne option. Ok. Ça va être bientôt le combat final. Ça, c'est pour se soigner. Ben, je crois bien. Je crois que c'est le seul endroit où on peut boire, genre constamment pour se soigner. Et voilà, nous arrivons au combat final. Bah c'est sympa en fait, d'y rejouer comme ça. C'était vraiment cool, j'ai passé un bon moment. Et j'avoue que le mode difficile, oui. Parce que rejouer en normal, en fait, juste pour récupérer genre tous les corbeaux et tout ça, bon, c'est sympa sans plus. Là, j'avoue que le mode difficile est fun. Et est quand même vachement fun, parce qu'il faut quand même réfléchir à chaque salle. Donc ça, c'est vraiment cool. Et l'histoire est superbe, hein, de ce jeu. Elle est vraiment bien faite, hein, j'adore. Genre, il y a un portail et tout dans le futur, ça mène au futur, et lui, il coupe le mec, là, Edward Crow, là. Il coupe on va enlever la couleur de cheveux. Alors, normalement... Ah, attendez, là, on voit Mara. Elle est en bien. Hop là. Mara. Et mais maintenant, elle a changé... Pardon, elle a changé de la couleur de cheveux. Mais ouais, l'histoire est vraiment sympa, honnêtement. Genre, Edward Crow, il coupe les racines, là, mais en fait, c'est des sortes de récepteurs, des antennes, pour le portail, et ça est en train de muter tout plein de gens et tout. C'est super bien pensé, honnêtement. J'adore l'histoire. Je crois qu'on est bon. Ok. Parler à Crow. Donc il nous dit de prendre ça. Et là, on a posé tous les objets. Ah, peut-être que là, c'est trop tard, par contre. Je pense que l'échelle, une fois qu'on a pris l'échelle, c'est trop tard pour remonter. Et là, il y a écrit « Hélène est infectée ». J'aime bien, ça fait très Resident Evil, le fait d'être infecté comme ça. Ah, il a une sale gueule. Hein. Là, par contre, ça va être un peu long. On va essayer de zapper ça. Bon, ça, c'est un peu bête qu'on puisse pas vraiment... zapper toute la conversation, genre rapidement. J'adore aussi le fait que le premier code qu'on trouve, genre c'est 2106, je crois, c'est une année. Et genre lui, il avait. Parler au premier visiteur et le mec avait muté et il lui avait dit d'arrêter de couper les racines et tout, et il a continué à le faire. Ok. Yeah! T'as une sale gueule. Thank you.
Ow! Ouais, il fait mal. Ça devrait bientôt être bon parce que c'est tout rouge. Wow! J'arrive à le toucher avec ça? Ah, c'est bon. Eh, le lance-flamme aussi, il marche. Tu as promis. On l'a brûlé. C'est pas vraiment une bonne mort, ça, par contre. Hein. De finir une personne au lance-flamme. Bon bah c'est bon. Ah, tout le monde qui prend son sérum. Ouais non, au final il y a peut-être même pas de différence, genre on retrouve les gens. Il y a que la sa fille. Elisabeth, je sais plus. Celle qui est la blonde là. Peut-être elle est pas sur cet écran là. Si on l'aide pas ou peut-être et le mec pareil dans la voiture, je suis pas sûr. On va passer tout ça. Je suis pas complètement sûr pour les fins. Alors, j'espère qu'avec ça, on va avoir un meilleur résultat que la dernière fois. 21 soins... 29... Pardon, je sais plus lire. Désolé, je suis fatigué. 29, objet bonus utilisé 60. Ah, ça va peut-être pas être très très bon. Hein. Ouais, c'est plus... Ah non, c'est vraiment pas bon. Hein. Donc, objet bonus utilisé. Donc, c'est le... l'attaque de mêlée, du coup elle doit compter en négatif, je pense. Ah, du coup on n'a rien débloqué de nouveau. Ah si. Costume secret, tête de corbeau et corbalette. Terminer meurtre des corbeaux. Ah ok, ça c'est la récompense pour terminer les meurtres des corbeaux, ça marche. Ok. Alors, Croquest, des corbeaux de cristal sont dessinés partout dans Croquest, puis on a tous les trouvés. Mode Croquest, peut-être désactivé depuis le menu de paramètres. Bon, ben... ouais. Ben, c'est un peu bête parce que j'ai rien débloqué de nouveau. Par rapport au rang, parce qu'en fait mon rang il était terrible. C'est plus, c'est catastrophique. On s'est soigné énormément. Puis tout le reste, c'est pas grave. Alors fais voir par contre. Bonus. Donc. Ça. Et après on a d'autres objets. C'est quoi dans l'inventaire? Non. Ou alors... Ou alors il faut se mettre en... Attendez. Faut peut-être se mettre en croc. En mode difficile. Peut-être. Vous avez vu, là, il y avait des balles. Elles restaient, les balles. Donc on peut les reprendre à l'infini, en fait. Mais pas dans le mode difficile. Des balles dans le coffre de la voiture. Alors. Ok. Vie supplémentaire. Jamais testé. Ça reçoit un caméra activé. Vibration. Croquest, oui. Costume secret. Ah. Tête de corbeau. Ah, 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 c'est marrant ça, tiens. Ah, on peut le voir aussi ici. Et, ah, ok, d'accord, c'est son fidèle pistolet simple mais efficace. Donc, c'est. Le pistolet, en fait, c'est une arbalète. Ça marche. Oh, c'est tir infini!
Hein? Attends, mille est lié au... Ok, il est lié... Ça marche, il est lié au costume. Voilà, j'ai infini. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Par contre, ils auraient peut-être dû le mettre dans objet bonus, genre un autre onglet, faire un autre onglet, parce qu'en fait, maintenant, c'est... Il y a objet bonus, donc ça c'est par rapport au rang. Voilà, ça c'est rang A, rang S. Et après, vous avez jeu, costume secret. Bon. Ça fait quand même beaucoup de différentes options pour trouver les choses. Hein. Je ne vais pas dire, mais bon. Mais ouais, non, c'est marrant. Sympa. Donc on peut avoir munitions illimitées pour, genre par exemple, récupérer tous les corbeaux si on veut. Ça va, c'est sympa. Ben, ça sera la fin. Donc ça sera la fin de Crow Country. Je sais pas si je le referai encore un peu. Ah, peut-être que je le ressortirai honnêtement à l'occasion. C'était cool. Honnêtement, c'était sympa. J'ai passé un petit moment là-dessus. C'est cool. Et ouais. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre. Il est sur Steam. Et il est à 99% positif encore. Donc honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Il y a deux personnes. Je crois que c'est des frères ou des amis. Il y a deux personnes qui ont travaillé sur le jeu seulement. Et ils ont fait un super jeu, honnêtement. Ils sont inspirés des Resident Evil et tout ça. Et le gameplay est top. Honnêtement, le gameplay se joue très très bien. On a vu qu'on allait super vite et tout. L'histoire est vraiment cool. Le design des créatures et tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est surtout lié à l'histoire aussi. C'est pas bêtement des zombies, en fait. Tout est expliqué. Donc honnêtement, très très bon boulot des deux. Très très bon boulot des deux. Et il mérite le succès. Le jeu a un petit succès, honnêtement, assez potable. Ça me rappelle un peu Aliza. Aliza aussi, je crois qu'il a été fait par deux personnes, je crois. Extrêmement bon. À la limite, je préfère dans un sens un peu Aliza, parce qu'il y a le côté RPG où on peut acheter pas mal de choses. Là, il n'y a pas vraiment ce côté-là dans Crow Country. Mais les deux sont de très 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 bons, très, très bons jeux. Donc, je conseille énormément. Et tiens, pour Aliza, il devrait avoir une sorte de spin-off de Aliza, où il y a une autre histoire en fait qu'on va pouvoir acheter. Je crois que ça va être une sorte de DLC au final. Mais voilà, Crow Country, je sais pas encore. Le jeu est encore extrêmement récent et là il vient juste de sortir la mise à jour pour le mode difficile. Mais ouais, top, 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 top. Vraiment top comme jeu. Donc ouais, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un j'aime comme d'habitude, regardez si vous voulez devenir membre de la chaîne, ça aide à supporter la chaîne. Et vous avez aussi la permission, j'ai envie de dire, non, la possibilité plutôt, de voir énormément de vidéos seulement privées en fait pour les membres. Donc ouais. En tout cas, Crow Country, j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.